again? Want to hear more video game music being sung with pop song lyrics? Leave a comment with the video game song and pop song that you'd like to see combined next. And upvote on the best ideas. See you next time. Ha! Ha!
ou musique. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mentalis, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur Monster Hunter 4 Ultimate. Et je dis bien Ultimate et j'assisterai sur Ultimate parce que c'est ultimatement bon. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref. Bref, bon, on va y aller. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semblerait être une bonne idée. Enfin, globalement, après, voilà, je peux me tromper. Voilà, on se court pas d'overlay cette fois-ci. Le reflet va peut-être vous gaver. Tant pis. Hop là. On passe à la chambre en mode sauna. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait lors du précédent épisode? Bonjour le chat, bonjour Kaito, bonjour Sabi et coucou Yolo Master. Donc, lors du précédent épisode, nous avions affronté et défoncé Baryox Onyx, voilà, ça avait été un gros mob, relativement faible cependant. Voilà, on entend bien le son du jeu, dites-le moi si on l'entend pas assez bien, vous me le dites. Et donc dans cet épisode, on va continuer dans les catchs. Je me souviens plus de ce qu'il faut qu'on affronte. Qu'est-ce qu'il faut qu'on affronte? Trop bien! Ratalos Azur. Je les déteste. Ça va être génial. Bon. Et alors, quitte objet utilisé, on va prendre celui-ci. D'ailleurs, globalement, où est-ce qu'on en est? Ouais, il nous manque des trucs, hein. Peut-être un poil fort. Comme ça, c'est bon. Enfin, j'aime bien le fait qu'on entende ma voix. Plop, 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 plop. Ah non, j'en ai encore. Ultime, voilà. Monster Hunter 4 Ultime. pourquoi je vais aller par là? Je ne sais pas. Ça avait l'air d'être une bonne idée, mais en fait, je me rends compte que c'est de la merde. Bah écoutez, on va lancer l'épisode pour YouTube. Ouais. Globalement, je vais le défoncer. Juste récupérer à prendre deux trucs très importants. Hop là, on va prendre. Ouais, ça commence à devenir la crise ici. Hein. Des antidotes. Parce qu'il me semble qu'il a le sens de l'humour et qu'il aime bien nous empoisonner. Non, raté. C'est ça que je veux. Voilà. Voilà, nickel. Allez. Allez, 3. Ouais, c'est bon, merci, vite. 3, 2, 1, go. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mentalis et aujourd'hui, les amis, nous retrouvons pour le 37e épisode de nos aventures sur Monster Hunter 4 Ultimate. J'espère que vous avez bien, moi je pète le feu. Et on va y aller de suite. Aujourd'hui, nous allons affronter un Ratalos tout de bleu vêtu, un Ratalos azur. Nous allons prendre donc de l'... Oh, c'est extra frais. Ben non, non j'en veux pas. Je prends de l'alcool. Parce que j'ai envie de triche aujourd'hui. Voilà. Par contre, je vois que j'ai des légers drops sur la connexion et que je ne peux rien y faire. Donc, faites comme s'il n'y avait pas de drop. Yes, on a Crésus. On est riche. On est riche. Donc, c'est parti. Donc, le présage céleste. Et on va le défoncer. J'espère. Si tout se passe bien, on le défonce. Si tout se passe mal, on meurt. Encore. Tout va bien se passer. Ah. Ok, on a une petite cinématique, c'était sympa. Potion de pierre, évidemment. Voilà, on va prendre la carte parce que je connais toujours pas la zone et je peux pas prendre de boisson fraîche parce que j'ai déjà le max. Donc on y va, écoutez. What? T'as pas marre de foutre la merde, toi?
Waouh, comment il se fait Ouned le machin. Donc, il y a un deuxième, c'est Régios. C'est une nouvelle. Je vais pas dire que c'est une bonne nouvelle, donc c'est une nouvelle. On va prendre des marqueurs. D'accord. Donc on va en zone 8 à mon avis. Zone 3. Non, c'est zone 8 que je veux aller. Voilà, c'est zone 8. Ah, et il y a bien un des deux mobs. Je sais pas lequel c'est. On va voir la surprise. Yes, c'est Rathalos. Voilà. Rouge. Orange. Orange. Excuse-moi, j'ai du mal à voir mon blanc. Ah, c'est que du rouge en fait qu'on obtient là pour le moment. Bon, tant pis. Ok, on fait quelques dégâts. Ok, orange. Pour le blanc, ça doit être les ailes. Chiotte. Ouah, c'est qui l'a bousé? Il s'est pris une bouse dans la gueule. Je sais pas de qui, mais je pars en plein. On craint pas les cris, hein, on est buffé. Couché. S'occupe comme on peut le temps qu'il se barre. Alors, où est-ce que tu pars? En zone 2, ok. Je crois pas que ce soit les chats. Quand j'arrête d'attaquer, ils arrêtent d'attaquer. Non, je pense que c'est le... comment s'appelle le Rhinoplos qui... qui est parti à l'attaque au mauvais moment. Bon, bah, on y retourne. En zone 2, il a de la place au moins en zone 2. Enfin, je veux dire, c'est pas un long couloir avec quelques minerais et des. Ok, rouge. Ok, j'ai eu le bon orange. Donc le orange c'est sur le corps. Hein.
Ok. Ok. Là, je peux pas le toucher. On y retourne. Nous avons un serré juste dans le dos. Nous avons un serré juste dans le dos, je répète. Ok. Alors, le problème c'est que j'arrive pas du tout à voir ce qui se passe. C'est un peu le bordel à l'écran. Ok. C'était un peu violent. Donc on y retourne. C'était fou. Ok, nice, du orange direct. Et vous êtes pas censé vous friter avec l'autre moche? Non mais please quoi. Ouais, non mais rancha. Faut pas bouger. Go. Ok, il se casse, on se casse aussi hein. On fait pas d'heure sup auprès du Cérégios, je veux pas. Je veux pas chasser de Cérégios, je veux pas mourir. Où est-ce que tu vas aller? Super. À l'opposé. Allez, on va se retrouver de nouveau en tête à tête avec le Rathalos. Le Rathalos Sature est déjà un adversaire suffisamment emmerdant, hein, pas à peine de se taper un série juste en plus. Ok, on a du orange. Pose-toi. Allez. Pose-toi. Ah. Il voulait pas se poser, hein. J'ai pas les chats. Ils sont où les chats? Ok. Ils sont pas là. Ok, c'est bon. Non mais please quoi. Bah oui, bah bien sûr. Bah au revoir. Non, rediffusion YouTube pour l'action de ouf qui vient d'y avoir, je veux un maximum de pouces verts.
Sérieux quoi. Wow. La survie à un pixel de vie quoi. Ok. Chiotte. Au revoir. Non mais... Voilà, je déteste le Ratalos Azur, au coup j'aurais pas encore assez dit. Esquiver. Oh non mais please quoi. Heureusement que j'ai pris un sérieux stock d'antidote parce que sinon Mais là déjà j'ai pris plus d'antidote que pour Ratian Sakura. J'ai pris plus d'antidote que pour 2 ou 3 Ratian Sakura là déjà. Waouh. Tiens ce outil toi. Donne moi du rouge. Ok, super. Dans la gueule, bien sûr. Ok. J'entends bien drôle le bruit, non? D'accord, c'est le gros truc qui est en train de s'emballer. Vas-y, fuis-moi. Tu pars dans quelle zone? La 4, évidemment. On le rejoint, hein. On va pas le laisser se barrer comme ça. Ok. On a pu lui mettre quelques coups. Je suis pas sûr d'être protégé au niveau des oreilles. Je ne l'étais pas, j'ai bien fait de me méfier. Meurs. Enfin meurs, tombe. Allez. Évidemment, maintenant j'ai que du blanc. Je vais le tuer. Ce mob, je vais le tuer quoi. Bon, bah on y retourne. Il me faut du orange. Donc, si on tombe sur un gros moche, si on tombe sur un gros moche, on pensera à le viscérer un petit peu. Tout petit peu, hein, pas trop quand même. Mais bon. Yay. Voilà. Nickel.
Ok, on n'a pas réussi. Oui, ça c'est pas cool. Au revoir. Au revoir. Non mais tu peux pas me toucher avec tes griffes alors que je suis au-dessus de toi quoi. Je te jure, c'est pas parce que tu me touches avec tes crocs que... Et encore les crocs, le machin est bouche fermée quoi. La gueule, pardon. Pareil, le machin il dort jamais quoi. Je peux boire? Merci. Je suis quand même gentil, je demande au mob si il a le droit de boire. Voilà. Puis il a accepté parce qu'il est encore plus gentil que moi. Esquive la barrage. C'est ça. Bah écoutez, on va encore aiguiser l'arme. Parce que je vois pas grand chose d'autre à faire. Il retourne en zone 2, il se fout un peu de ma gueule en fait. Quelle ? La tête ? Ah non, c'est... Alors quand j'ai la tête, je voulais pas dire qu'il faut que tu me tires dessus. Je disais il me fallait ta tête, genre... J'aimerais bien me lancer un insecte dessus. Donc si tu pouvais retomber au sol, ce serait cool. Voilà, merci. Non ! Non mais non. Merci. Oh mais genre doute. La queue empoisonne maintenant quoi. D'accord, merci le chat qui m'a filé un antidote. Résistance à la chaleur expirée, ok, faudra que je pense à boire un petit coup. La tête. Je sais pas ce que je tape, mais je tape. Hein. Là, hop. Ah ok, on est dessus. Vas-y, tu peux gueuler. Stop. Oh non, il est là. Le Cérégios est là, quoi, please. Mort chaotique, please. Je peux pas affronter dans le temps. Ok. Rathalos capturable. Il va en zone de repos, je crois. Je crois qu'il va en zone 9. Bon, encore une fois, j'ai rien pour capturer, donc bah on va devoir le tuer. C'est dommage quand même de devoir le tuer. Hein. Je suis très très désolé. Tu sais, Grégor Riex, ce que j'avais fait sur Pokémon Platine, vous pouvez le faire sur vos versions à la main. Moi, hein. Bon, bah, j'ai plus de version 4G... Enfin, en tout cas, j'ai ni diamant, ni perle, ni platine avec une partie assez avancée pour pouvoir le faire, mais... Pourquoi j'ai du blanc quand j'en veux pas? Et que quand c'est le seul truc qui manque, j'en ai pas.
Wouah, le quinsecte de l'amour. Super quinsecte à la rescousse. Médula. Boisson fraîche. Ah oui, tiens, fallait que j'y pense. Poche infernale. Et repoche infernale. On a eu du loot de merde, hein, globalement. Mais c'est plutôt bien passé. C'était facile. En même temps, si je retrouve la... D'ailleurs. C'est qui me l'a filé cette quête que je puisse le tuer? Artilleuse d'élite. Donc, il faudra que je pense à la tuer parce que bon. Ouais, il a quelque chose de bizarre sur Rathalos Azur. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de spécial? Je sais, il est accompagné d'un Seregios. Et les deux ont décidé de se mettre d'accord pour essayer de me bouffer. Donc, je pense que Artilleuse va avoir des difficultés à survivre là. Le cassec a pas aimé le Rathalos, j'avoue. C'est plutôt l'inverse. Pendant près d'une heure, YOLO. Pendant près d'une heure. Faut le rajouter ça. Ouais, bon, globalement, on a eu que de la merde. Wouah! Trop bien, on a eu 13 950 zénith. Wouah! Niveau 24! Ouais, wow, c'est mon plus petit. Je me souviens même pas d'en avoir défoncé, vous voyez. Est-ce qu'on veut sauvegarder? Oui. Bon, bah, on s'en est plutôt bien sorti. T'as avancé le multi. Non, YOLO Master, actuellement, j'ai un stuff légèrement pété pour le solo, donc en attendant de recommencer à avoir des difficultés en solo, je mets le multi en pause. Et quand j'aurai des difficultés en multi, on reprendra le... quand j'aurai des difficultés en solo, on reprendra le multi. Félicitations, brave chasseur, bravo à vous, quel plaisir de vous revoir parmi nous. Et comment votre tour en... Et pour nous, en, une récompense en soi, les récents événements sont tout inquiétants, notre religieuse aurait fait son apparition dans le vallon volcanique, et oui. Ah. Il pourrait très bien se casser de ville si vous... Ouais. D'accord. Ouais, alors... Envoyez tes hommes, ça te dérange. Par contre, m'envoyez-moi, ça te dérange pas. Je suis de très loin le meilleur chasseur, hein. Connard, enfin... Les composants qui nous manquent, d'accord. Ça va être horrible. Je suis un T-Rex berserk et sécurisé. Ainsi les mines du Mont Céleste. On va tellement se faire bourrer la tronche. Cette violent. Ouais, donc elle veut me parler de ça. Et ici, je présume que ça va me parler musique. On va y aller. En rang multi, pardon, j'avais pas fait attention, mais je suis rang 49. Non, c'est pas là, what? Et what? Ah d'accord, c'est toi qui vas me parler. Pas exactement ce que je veux faire. Bonjour monsieur. Donc c'est la troisième fois qu'on sape cette cinématique, elle est magnifique hein. A plus. Puis je me retaperai la cinématique la prochaine fois que je viendrai. Ça, j'ai fini par comprendre. Ah, bonjour. Voilà. Yengaruga est arrivé dans la région.
Ok. Ok, d'accord, donc le mec veut que je meure pour lui, c'est très sympathique. J'ai pas envie, mais bon, voilà, s'il le faut. Allez. Ouais. Ouais. Ok. Rugissement en duo. Je crois que c'est la quête qu'on va faire pour le prochain épisode. Rugissement en duo, c'est ça. Donc les amis, lors du prochain épisode, nous ferons un rugissement en duo. Il faudra chasser un Tigrex berserk. Donc, en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et que les vidéos vous plaisent. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde. Voilà. Bon, ça va, la quête n'a pas été catastrophique. Donc je m'occupe rapidement de la vidéo comme d'habitude. On attend que XP ait terminé le montage. Elle fait 2,21 giga, mon dieu. On est obligé d'attendre, hein. Voilà, voilà. Bon, sinon, vous avez la forme, les gens. Comment ça s'est passé la rentrée pour vous? Dites-moi tout. Elle fait, ouais. Faut que je fasse gaffe, hein. Ouais, c'est bien épisode 37 en plus. Renommé MH4 37 Rathalos Azur. Voilà. Wouhou. Je pensais que ça allait être pire. T'es rentré en quelle classe, Yolo Master? On va l'affronter où en fait? Mon Céleste, ouah, ça va. Pas besoin de prendre des précautions particulières, on y va comme des porcs. Ah, c'est bon, grande barrière plus qui manque. Ouais, ça va, si bon que ça. Première S, bon, ça va, ça aurait pu... Enfin, je veux dire, c'était pas la seconde non plus, quoi. Y'a pire, y'a pire. Allez, vous êtes prêts? On lance le record. Donc, c'est l'épisode 38, hein. Ah. Xplit. Allo Xplit. Ah, je sais pas si vous me voyez, je sais pas si vous m'entendez. Xplit qui vient de décéder. C'est bon? C'est bon. D'accord. Xplit. Bougez pas, je vais essayer de voir pourquoi j'ai des lags comme ça. J'ai un problème qui bouffe beaucoup de processus ou comment ça se passe? Non. J'ai quand même 60% du processeur qui est bouffé, mais enfin, c'est pas non plus oufissime, quoi. Je sais pas. Ok. Bon, bah, allez savoir.
Allez savoir. Il y a un petit lag, ouais, bah désolé. Ça devrait être bon. Allez, on va y aller. 3, 2... Voilà. Donc 3, 2, 1... Eh bien, salut tout le monde, c'est Mentalis. Et aujourd'hui, amis, nous nous retrouvons pour le 38e épisode de nos aventures sur Monster Hunter 4 Ultimate. Et nous ne perdons pas une seconde, nous allons directement lancer la quête Rugissement en duo. Notre objectif du jour est un Tigrex Berserk. Pareil qu'il va cogner. Et on va prendre la queue. Parce que quand on boit, on y a de la chance. Bref. Ouais, si on se la laisse. Oui, je sais, faut que je fasse des vidéos plus courtes, mais je peux pas me lasser de cette petite cinématique qui est toujours aussi appréciable. Allez. C'est bon, on a tout eu, et donc c'est parti pour un Tigrex Berserk. Tout ça pour des minerais. Allez, on récupère ça. On prend une petite potion de pierre. Est-ce qu'on bouche un sérum dessus? Ouais, de toute façon, je les utilise jamais. Voilà, donc il est en zone 5. On avait passé dessus dans tous les cas. Mais bon. Allez, go. C'est parti. Salut. Alors, hop, déjà pour dire bonjour. Voilà. Hop là, bonjour. Ok, tu m'as éjecté juste en gueulant. J'avais oublié cette caractéristique relativement relou. Tu me fais super mal. Allez. Alors il est peut-être énorme. Ce serait pas impossible hein, avec la chance légendaire que j'ai. Ok, je suis monté dessus. Et je crois qu'il veut pas que je sois sur son dos. Ok, alors lui par exemple, alors un Rathalos qui est une créature énorme, je résiste à ses cris. Par contre, ce pauvre petit Tigrex, bah lui. Oh putain, je suis obligé de repartir. On dirait celui de DLC. Il a quoi de spécial celui de DLC? On va essayer de lui péter une griffe parce qu'il sera nettement moins rapide comme ça. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais ? Aïe. Voilà. Dan DLC, non, je les ai pas encore téléchargés, j'ai vu qu'ils étaient sortis. Mais j'ai pas très bien compris, si ce n'est que l'armure que j'ai vue là ressemble beaucoup à, au boss final de Azuras Wrath. Mais c'est. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai vu du DLC en fait. Donc, en soi, c'est pas un DLC qui
m'a l'air très intéressant. Après, quand on a évidemment déjà fini toutes les quêtes et tout, oui, évidemment, c'est... Ouah. Je peux rien faire. Ok, repose-toi. Aïe. Il fait super mal. Ok, on a le blanc. Enfin, on a le triple buff. Allez, on tape comme des tardes. Ok, on est sur lui. Il va se défendre. Ouah, laisse tomber, je vais pas tenir. Ok, c'est bon, si. Mais il me fait super mal, hein. Ça y a pas à chier. Mais mitrailler comme ça, ça a quand même de gros avantages, hein. Primo, ça fait de bons dégâts. En plus, après, on est constamment buff. Ok. Pour un moment, il abandonne la partie. On y va. Mais en tout cas, on peut dire qu'il fait mal, hein. J'ai fait Nawak et en plus j'ai marqué, quoi. Ok, c'est bon, on a eu du orange. Forcément, maintenant on va plus réussir à choper. Wouah, quel crétin! Ok, on a du rouge! On est bon, il va gueuler. Il va gueuler. Non, d'accord. Il faut toujours continuer à mitrailler. Il va gueuler. Quand il rush lentement, oui, je sais, je parle de rush, mais quand il fait un tout petit rush, ça veut dire qu'il va gueuler à la fin de son rush. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le mettre au sol juste avant la perte de buff.
Allez. Oui, j'ai pas parlé parce que je me suis concentré comme un porc. Allez. Au revoir. Putain, j'enchaînais bien là. Ouah, je crois que j'ai peut-être un peu énervé. Il va gueuler. Il a un pattern cam super simple, machin. Ouch. Ok, c'est bon, j'ai mon rouge. Lol, MDR. You're mad, bro. You're mad, bro. You're mad, bro. You're mad, fucking bro. Ah. Ok, il est parti en zone 2, facile. Je prépare les méga popos, hein, au cas où. Pfff, un zinogre. Je peux pas monter, tu peux descendre. Merci. Tu bouffes ça déjà, je peux te faire plus de dégâts. Ok, alors l'insecte est parti derrière moi, ce qui fait que ça a touché sa tête au lieu des ailes, c'est pas grave. Ouch. Non, c'était pas assez rageux, sinon la musique aurait complètement changé. Et s'il y a un Zinog, il peut pas y avoir 3 mobs, les gens. Pas simultanément, en tout cas. Au revoir, TGF. Voilà, maintenant la queue. Ouais. Mais si, c'est un Zinogre. Un Zinogre très spécial, mais c'est un Zinogre. Tu t'y connais pas, de toute façon, Grégoriax. Alors. Cool, des marqueurs gratos. Oh ouais, on va prendre ça aussi. Allez. Ah là là là. Oui, je prends mon temps avant d'y retourner. Alors, on va aiguiser l'arme aussi. Ah, XVAR X, ça me va. J'ai elle où ma viande? Là.
Voilà, nickel, allez, go. Donc il était en zone 2, hein. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord. T'es pas obligé de te déplacer, tu sais, j'allais arriver, hein. Allez. Reviens là, toi. Ah, on a des frames d'invulnérabilité quand on monte, pour info. Quoi, t'es dans un tas si pitoyable que ça? Ah! Zone 3? Ah bon? Je pensais que t'es défoncé à ta zone de repos. Bon, enfin. Ouais, en gros, le Serregio, c'est une sorte de... Comment il s'appelle? Devil Joe, hein. En plus moche. Ah, ta zone de repos, c'est peut-être la vitre, Marc. Ok, là il va faire un gueulement à la fin. Voilà. Oh oui, si on pouvait le tuer avec ça, ce serait cool. TGF Trichelieu, défoncez-le pendant ce temps. Je retiens, je retiens. Ah, ouais, c'est ce qui me semblait. Quand t'es un peu, quand t'es un Pokémon, bien sûr, quand t'es un mob, enfin quand tu montes sur un mob, en fait, on ne peut pas le tuer, je crois. Je crois que j'aurais, là j'aurais pu monter 26 fois dessus à la suite, et à chaque fois réussir, j'aurais pas tué. On ne le tue que sur noir. C'est pas un berserk que je viens de tuer. Peut-être qu'elle est noircie, sa griffe, tellement il est crade. Bref, je crois qu'on peut pas le tuer, je crois que ça cap ses PV à 1 en fait. Je crois qu'il peut pas avoir moins d'un PV quand on lui inflige des dégâts par par montée. Après, sera confirmé, mais il me semblait avoir remarqué ça, que c'est pas la première fois que je l'achève avec un coup juste après l'avoir fait tomber. Ni la deuxième. Bon, on s'en est bien sorti globalement. Mais c'est vrai que niveau armure, bon, je commence à être faiblard, mais c'est pas plus mal. Ah. Bouge pas, c'était quoi? Ah, dommage, on saura pas quel était ce mob. Tu voudrais pas descendre, s'il te plaît? Tu seras la confirmation que tu étais bien un Zinogre? Ouais, regarde, c'est un Zinogre, ça. C'est un Zinogre. Alors, cuirasse, croc, griffe, gemme de wyvern, on s'en bat les couilles, on a déjà 20 000. Évanouissement, moins 20 points de... Ouais, c'était mon plus petit, je me souvenais pas encore une fois d'en avoir affronté, mais c'est pas grave. Ah, peut-être en multi, les fameuses quêtes où je pars récolter des ressources pendant que les autres font le mob. C'est peut-être ça. Bah oui, un Zinogre volant, il y en a souvent. Bonjour, maître des défenses. Bah, nombreux sont ceux qui vous ont à qui vous avez redonné le sourire. Ok. Ok. D'accord. D'accord.
Ouais. Ouais. Bah ça va être chaud, hein. Enfin. Ça me fait un peu peur. Je vais peut-être farmer un petit peu en multi en fait les gens. Ouais. Donc les gens, je pense qu'on va farmer un petit peu en multi. Donc en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager si vous avez envie, bien évidemment. Bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Enfin voilà, je fais pas mal de vidéos, enfin pas mal, un certain nombre. Puis il y en a plein d'autres aussi si vous voulez voir, c'est sûr, pas mal. Et donc, bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde. Alors, améliorer mon arme, est-ce que c'est seulement possible, Yellow Master? Il me semble que ça l'est pas, justement. Je suis équipé de quoi, là? Ouais, il me fallait des lance-tons et j'arrivais pas à les trouver. C'était ça. C'était ça. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, niveau qu'insecte, je suis bien, non? Ouais, c'est bon. Donc c'est vitesse, c'est full vitesse celui-là. Vitesse glace. Voilà. Bon, on va partir en multijoueur les gens. Ça fait combien de temps qu'on a lancé le live? Une heure. Ah bah on va faire une pause même. Fais une autre arme au pire. Pourquoi tu veux que je fasse une autre arme, Yo Master? Moi j'adore celle-là. C'est pas là-dedans, ça fait trop longtemps que je suis pas parti en multijoueur. Carte monde, multijoueur en ligne. Voilà. Je vais mettre un code secret qu'il faut pas que vous voyiez donc. Alors créer une grande salle, ouais. Non, alors pas pour tous. Non, oui, alors ça oui. Voilà. Voilà. Donc c'est un code très très secret. Voilà. J'espère que vous l'avez pas vu, hein. Oh pff. Non, j'ai pas envie de me taper une vidéo pour savoir comment monter mon insecte. Pour moi, il me convient très bien. Il est très puissant, mon insecte. Allez, donc là, je suis un multijoueur. Je vais vous filer l'ID, tout et tout et tout. Enfin, le mot de passe, de toute façon, vous ne l'aurez pas. Hein? Voilà. Alors, par contre, j'espère que vous serez au moins deux à rejoindre parce que bon. Voilà. Bon. Voilà. C'est moi ou vous arrivez pas à lire parce que c'est à l'envers? Ça par contre c'est chiant. Yay. Voilà. Bon. Bah d'ailleurs je pense que tant que vous connectiez les gens, je vais faire une petite pause. Hop là, donc je vous dis à de suite.
Héreux, excusez-moi, c'était plutôt long. Alors, qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? Alors. Ouais, d'accord. Ok, allez. Bah écoutez, on va voir ce qu'on demande. Carte monde. Bah pourquoi y aller via la carte monde? Suis-je bête? Voilà. Ah. Replantage, désolé. Hop. Wouah. AXP, t'as du mal, hein. Je sais pas si c'est Windis ou Ouais. Ouais. Bah, navré pour les drops, hein. C'est bon, il s'est calmé. Voilà. Allez. Go. Allez. Donc, qu'est-ce que tu me proposes comme quête? Toi, pas toi, toi. C'est deux têtes sous cabra, hein, d'accord. Alors, ce que je propose, c'est que vous affrontiez les têtes sous cabra pendant que moi, je vais récolter des ressources tout connement. Et dès que j'ai fini de récolter, je viens vous filer un coup de main. Ah, j'ai plus de miel. D'accord. Hop, prendre. Voilà. C'est ça. Menuisier et collecteur, c'est super bien quand on veut fermer. D'ailleurs, écoutez, pour le coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais record pour YouTube. Pour une fois, je vais faire un épisode remplissage, étant donné que je suis censé faire 3 épisodes par semaine. Hein, je vous rappelle, c'est lundi, mercredi et Ah, miel, merci Grégo. Ok, nickel. Donc, étant donné que... Ah oui, d'accord, ça a bien planté, c'est... Je sais pas, j'explique qu'il est en PLS, là, en fait. Est-ce que ça vous dérange si je relance le live? Ouais, non, si, je vais relancer le live. Je vais relancer XSplit, en fait. Parce que là... Là, ça m'emmerde un peu, je vais être honnête.